On a mouillé le maillot, va prendre le rebond cette semaine en s'essayant à une toute jeune discipline qui vient d'intégrer le programme olympique, c'est le basket 3-3, en espérant atteindre le haut du panier. Bonjour Jean-Pierre Suta. Vous êtes le président de la fédération. Le 3-3, c'est quelque chose que vous cherchez à développer? Ça va faire un tabac dans les années à venir. On a une volonté de performer nos équipes de France et surtout l'installer sur les territoires. Nous avons près de 2 millions de pratiquants non licenciés et on voit que dès qu'on propose du 3-3, ils ont envie de jouer les jeunes. C'est assez space quand même comme compétition et ça se passe très très bien. Bon bah on va tester ça tout de suite alors. Allez, à nous sur le parquet. Ça se joue la première équipe se joue en 21 points. Le panier à 2 points vaut 1 point, le panier à 3 points vaut 2 points. Et ça se joue sur un demi-terrain sans tambour. Ouais, c'est dur là. Je cherche mon second souffle. C'est vraiment des déplacements très courts mais très intenses. Sur demi-terrain, ça donne. Comment j'ai été alors? Ça va. Non, franchement bien. Ouais. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui vous fait en 3-3? C'est la vitesse. Ouais. Ouais, moi j'ai pas du tout l'habitude de cette vitesse-là, je joue avec les adultes, ouais. C'est pas du tout rapide comme ça. On va aller prendre des petits conseils auprès de Brisco, c'est un basketteur freestyler. On va voir si je vais améliorer mon dribble avec lui. Je te la remets et Simon ça joue. Ok. Oh là là, on a un dribbler. Oh là là, c'est réussi. Bravo. C'est réussi, c'est réussi. Il nous cache des choses, hein. On a un dribbleur hors pair. C'est bien agile, hein, sur le maniement. Je pense que ça peut servir sur le 3-3 ouais, après, hein, de bien être agile avec ses mains. C'est clair. Justement, c'est le but de proposer ces petits ateliers, c'est que ça serve aux jeunes au basket, on va dire le basket freestyle, que ça serve aussi au basket normal. C'est le but. Bon Elise, j'ai un avenir dans le 3-3 ou pas du tout? Bah, écoute, je trouve que t'as pas trop perdu, mais je pense qu'il faut t'entraîner. Niveau physique, c'est un peu compliqué, mais non, c'est bien. Et que je vienne au lycée de Prissé, parce que c'est la première section française à avoir fait 3-3, c'est ça? Voilà, donc c'est à Davaillé, au lycée Lecta Davaillé, la première section basket 3-3 de France. Alors c'est beaucoup plus facile que le 5-5, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de technique, donc ça permet à tous les gamins au moins de toucher le ballon. Parce que sinon, si on n'a pas de technique en 5-5, voilà, on fait que courir. Bon, bah merci à vous. J'espère que j'étais pas trop un panier percé. Merci pour l'accueil.